Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et j'espère que vous êtes prêts pour notre Noël en juillet de Live Good. C'est pas de ça dont je voulais vous parler ce soir. En fait, ces derniers jours, j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de mauvaises compréhensions par rapport au plan de rémunération Live Good. Et je me suis dit qu'il était vraiment ultra important que jeudi, dans le Zoom d'équipe, je revienne sur les basiques. C'est ce que je fais en général, les basiques de l'activité pour que nos nouveaux partenaires se sentent bien et comprennent bien le fonctionnement de Live Good, de la matrice, de notre opportunité. Mais également, je veux absolument revenir sur une notion qui est mal expliquée, mal comprise, ou tout au moins parce que trop de gens sont focus dans leur promotion de l'activité, de l'opportunité Live Good. Ils vont être trop focus sur le fait de gagner 2 000 $ sans recruter, sans vendre, sans rien faire. Et cette notion me dérange parce que si elle est réelle, mathématiquement parlant, on reviendra là-dessus. Quand vous avez une matrice pleine, effectivement, et qu'on multiplie 0,25 centimes multiplié par le nombre de personnes que vous avez sous vous, si vous avez une matrice pleine, à savoir si vous avez par exemple 8 000 personnes dans votre matrice, oui, vous allez toucher 2 000 $. Mais le problème, c'est qu'on ne dit pas, lorsqu'on explique ceci aux gens, on ne leur explique pas que ça peut prendre du temps, beaucoup de temps. Ça peut prendre 3 ans, 4 ans, 6 ans pour remplir une matrice ou plus. Et pire encore, si votre équipe, par exemple, n'est pas dynamique ou si elle est bloquée au-dessus de vous parce qu'il y a des gens justement qui ne font rien, qui ont décidé d'être des investisseurs passifs, ils ont décidé d'attendre, ils bloquent le processus. C'est un petit peu comme le système de l'algorithme Facebook. Si la matrice, elle voit qu'il n'y a rien qui se passe par là, ben rien ne va se passer. Rien plus rien, comme je le dis, égale rien. Et vous allez vous retrouver avec 3 clopinettes et dans 3 mois, 6 mois, vous allez me dire « c'est une arnaque, ça ne marche pas », etc. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est m'adresser à ceux d'entre vous qui, comme moi, ont envie de gagner réellement de l'argent avec Live Good et non pas des 20 $, des 40 $, des trucs comme ça. Vous avez vraiment envie de gagner des revenus à 4, 5, 6 chiffres et plus, hein, ce que je vous souhaite. Et je voulais vous faire part de ma petite expérience, d'une anecdote qui m'a mise vraiment face à la réalité des chiffres et qui m'a fait vraiment comprendre le pourquoi du comment et pourquoi c'était une erreur d'être focus tout le temps sur cette histoire de débordement, sur cette histoire de commission matricielle. Ne vous méprenez pas. Bien sûr que le débordement, c'est motivant. Quand on en voit, bien sûr qu'on est content. Mais au niveau de la réalisation financière, est-ce que ça va changer la donne pour vous? Non. Évidemment, si vous avez 200, 300 dollars, c'est bien. Dans le contexte économique actuel, je vais pas cracher sur 200, 300 dollars ou même plus. Bien entendu que c'est bien. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes chez Live Good pour gagner de l'argent, comme on l'a dit, avec des revenus comme un emploi à temps plein, à 4 chiffres, 5 chiffres, vous ne voulez pas être focus sur cette histoire de débordement. Vous ne voulez pas être focus que sur les commissions matricielles. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous parler de ma petite expérience. Je vous l'ai dit, ça m'a fait un choc. C'était au mois de janvier. Je suis rentrée le 9 janvier et ma upline Kelly, elle m'a pas prise par la main pour m'expliquer ce qu'il fallait faire. Elle m'a dit, voilà, salut, bienvenue dans l'équipe. Voilà, donc tu as un groupe et en avant, tu te débrouilles. Enfin, c'était pas méchant de sa part, mais elle m'a dit, voilà, tu te formes, tu apprends, etc. Et tu me poses des questions si tu en as. Et moi, comme beaucoup de personnes, je n'y connaissais rien au système d'une matrice. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Et j'avais effectivement vu beaucoup de gens faire cette promotion des commissions matricielles et de dire qu'on allait gagner 2 000 $. J'étais focus là-dessus. Néanmoins, et Dieu merci, je n'ai pas attendu après Kelly pour créer du débordement. J'ai tout de suite compris que j'étais un entrepreneur. J'avais envie de réaliser une véritable profession. Hein. J'avais vraiment envie de changer ma vie. J'avais envie de me donner à fond dans cette activité. Et je savais très bien que dans la vie, on n'a rien sans rien et que si on veut vraiment des résultats, il faut donner de soi. Donc, j'ai commencé à développer mon équipe. J'ai commencé à créer moi-même du débordement pour mes équipes. Je vous avouerai franchement que la première semaine, quand la matrice a tourné, je dis « Oh, tiens, j'ai pas de débordement. » Oui, bon, ça m'a un petit peu piqué. Deuxième semaine aussi. Et il m'a fallu 2 mois et demi pour avoir du débordement. Est-ce que ça m'a arrêté? Non, parce qu'entre-temps, j'avais créé mon équipe et que honnêtement, le débordement, ça m'a fait super plaisir de voir des gens d'Hawaï et tout ça, des États-Unis. Je suis super contente. Ça motive les gens qui en bénéficient aussi. Est-ce que ça change la donne au niveau financier? Pas énormément.
Et donc, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. En fait, au mois de janvier, donc quand j'ai démarré, janvier 2023, notre grande upline Tim Miller, donc il venait de démarrer lui en décembre, et je crois qu'à l'époque, il était au rang platinum, platine. Et puis, il a publié ses revenus mensuels. Et là, je vois qu'il avait une commission matricielle de $600 et qu'il avait, en matching bonus, il avait style $8,500. Je me dis, quoi? Il a $600 de bonus matriciel alors qu'il est platinum. Je fais le calcul, je divise 600 par 0,25. Je réalise qu'il lui fallait 2400 personnes pour avoir ce montant. Je me dis, 2400 personnes, qui aujourd'hui peut se permettre de dire qu'il a 2400 personnes sous lui en débordement? Pas moi. Certainement les gens qui sont arrivés après Tim, dans les premiers, ils ont déjà peut-être leurs 2400 personnes et plus hein, sous eux. Moi, personnellement, 6 mois après le démarrage de Kelly, je suis arrivée, j'ai pas 2000 personnes, 2400 personnes en débordement, croyez-moi. Donc, du coup, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas là que la clé de l'argent, elle se trouve, c'est dans le matching bonus. Et le matching bonus, c'est quoi? C'est tout simplement aider vos partenaires, participez à l'effort commun, c'est-à-dire que tout le monde met la main à la pâte. Je parle pour ceux qui veulent vraiment gagner de l'argent. Attention, je parle pas, il y a des gens qui ne veulent pas développer, c'est leur choix. C'est dommage parce qu'ils se privent quelque part d'un revenu eux-mêmes et ils pénalisent les gens en dessous d'eux parce qu'ils bloquent le système de la matrice, ils le freinent. C'est fort dommage, mais c'est un choix. S'ils veulent attendre 10 ans pour avoir leurs $2000, c'est un choix. Moi, je ne critique pas du tout. Ça peut arriver plus vite, hein, je sais pas. Mais voilà, je dis qu'en conscience, il faut savoir que lorsqu'on est passif, ça peut prendre beaucoup de temps. Et pour ceux qui sont là pour gagner de l'argent et pas attendre 5 ans, 6 ans, 10 ans, il faut comprendre que les matching bonus, c'est-à-dire les 50% que vous touchez sur vos affiliés de première génération, c'est là que se trouve la vraie clé du plan de rémunération qui vous permet de gagner véritablement de l'argent. Donc cette notion, on va la développer jeudi pendant le Zoom d'équipe. Pour ceux qui ne pourront pas être là, bien entendu, j'enregistrerai le Zoom, on proposera un replay. Mais déjà, d'ores et déjà, parce que la question est revenue beaucoup ces derniers temps, j'ai juste envie de vous dire, arrêtez de vous focaliser sur le débordement. Certes, c'est cool, mais c'est pas ça qui va changer la donne. Honnêtement, moi, quand j'ai démarré, j'ai enregistré mon fils pour voir si c'était vrai qu'on avait de l'argent. Alors aujourd'hui, mon fils, il a 400 et quelques personnes. Est-ce qu'il gagne $1000? Non, il gagne pas $1000. Il gagne peut-être, je sais pas, $90 par mois ou quelque chose comme ça. C'est bien, mais c'est pas ça qui va vous faire avancer dans la vie. C'est pas ça que vous êtes venu chercher chez LiveGood. Si vous avez envie de construire une activité qui fonctionne, donnez de votre personne, lancez-vous dans le plan de rémunération, comprenez-le. Développez vos équipes, aidez vos partenaires et c'est ainsi que vous allez développer une véritable dynamique qui va permettre à tout le monde de gagner. Plus vos affiliés vont gagner de l'argent, plus vous allez gagner de l'argent et ça crée une synergie qui vous pousse vers le haut. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas en étant passif ou en se lamentant parce que qu'est-ce qui va se passer ? Si vous attendez ce fichu débordement sans rien faire, vous allez attendre 2 mois, 3 mois. En septembre, vous allez me dire non. Ça marche pas, c'est nul, j'en veux pas. Bien sûr, si au-dessus de vous, personne ne fait rien, si en dessous de vous, personne ne fait rien, si vous-même, vous ne faites rien, rien plus rien égale rien. Rappelez-vous cette formule, elle est super simple. Donc, encore une fois, je ne juge personne. Je dis que chacun est libre de faire comme il l'entend. Maintenant, si votre souhait est de gagner réellement de l'argent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut vraiment comprendre, déjà comprendre, ça c'est très important, comprendre ce plan de rémunération, comment il fonctionne et le mettre en application dans le bon sens et ne pas être focus sur les commissions matricielles qui sont un plus. Les commissions matricielles, c'est vraiment un plus, hein, on ne crache pas sur l'argent. Néanmoins, la clé de votre réussite financière, ce sont les matching bonus. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations complémentaires, notez-les, posez-moi vos questions si vous êtes au Zoom jeudi soir. Je vais mettre le lien dans le groupe très bientôt. Si vous ne pouvez pas être au Zoom, regardez-nous en replay ou envoyez-moi un message. Mais surtout, promettez-moi
de ne pas faire l'erreur que j'ai fait dans ma compréhension, même si ça ne m'a pas freiné dans mon développement, parce qu'au début, je me suis dit que j'avais compris qu'il fallait créer soi-même son propre débordement. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'être focus sur les commissions matricielles qui, je le répète, sont un plus. C'est comme un bonus supplémentaire, mais ce n'est pas ça la clé de votre réussite financière, ok? Donc voilà, je voulais vraiment faire ce point. C'est vraiment important parce que quelque part, ça me brise le cœur quand les gens me disent « Oh, j'ai pas de débordement, ça fait un mois que je suis là, j'ai toujours pas de débordement. » Mais c'est pas grave, il finira bien par arriver ce débordement. Je sais, ça peut être frustrant, je le sais, je suis passée par là, je comprends ce que vous ressentez. Mais ne vous bloquez pas pour ça, avancez, donnez la synergie, donnez l'élan à la matrice pour vous donner le reste. Le reste va suivre. C'est en bougeant que vous faites bouger toutes les choses. S'il vous plaît, comprenez ça. On en reparle ensemble jeudi pour ceux qui peuvent être parmi nous. Si vous ne pouvez pas être avec nous, on en parle en privé, il n'y a aucun souci. Mais promettez-moi de bien réfléchir à ce que je vous ai dit. Je vous embrasse très fort, je ne veux que le meilleur pour vous. Et si vraiment vous voulez changer la donne, si vraiment vous voulez changer votre vie financière avec LipGood, vous avez une mine d'or entre les mains, mais ne vous trompez pas d'objectif. C'est tout. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.